composé par rapport à la trajectoire de la balle. Voilà. Pré-orientation du tamis. Voilà. Horizontalisation de la trajectoire de la raquette. Raquette en-dessus du niveau de l'épaule. Dans l'autre cas, c'est raquette au-dessus du niveau de l'épaule. Et tamis orienté sur le latéral. Donc ça fait ça. Oui. Ça fait ça. C'est pas la meilleure solution pour être précis. D'accord ? On peut aller l'attaquer plus loin. Et on peut pas aller l'attaquer plus loin, là. Tandis que là, regarde, vas-y, tu l'attaques plus loin. Regardez. Et la trajectoire, elle est en rectiligne. Donc, moins d'erreurs possibles. Quand je suis en moto, que je suis sur une ligne droite, je peux rouler à 300 à l'heure, sans problème. Mais si je suis dans virage, je fais des sorties de route. Et là, en virage, je fais des sorties de route, il n'y a pas de problème. C'est plus difficile. Et je suis plus tard dans le touch contact. C'est une évidence, je veux dire. 80 minutes. Physique, c'est un échauffement physique, mais c'est aussi un échauffement mental. Un échauffement au niveau de la prise d'information, il faut rentrer dans le match, c'est pas juste aller courir, ça ne suffit pas. Hein, c'est pour ça qu'après on va voir le travail de carnet magique qui nous permettra de commencer à faire un travail au niveau des représentations mentales. La jambe droite, on fait 10 déplacements vers l'avant, jambe droite. C'est parti. Hop. On peut essayer d'être à quelques déplacements. Alors. C'est important, c'est ce premier pas que je voulais ouvrir. Et après, je vais venir faire un chassé qui va aller chasser ce premier pas. Donc, le premier en chassé et le dernier en. Et je roule. Et j'anticipe, j'ai pas pris. J'ai déjà programmé et je pars. J'ai déjà programmé et je pars. Ok ? On y va, on en fait 10 à droite. Je vais tirer. C'est parti. Allez, dernière aléatoire, on essaie de subtiler. L'avant-dernière appui qui ne doit pas glisser, qui doit rester derrière la ligne rouge. Il y a un appui qui reste derrière la ligne rouge. C'est impressionnant. Ouais, c'est la première. T'as vu, c'est la première. Ton pied arrière va se situer à peu près ici, c'est-à-dire que la balle va être toujours devant lui. Il va se servir du transfert du poids du corps pour utiliser la force de frappe. La balle devant, devant, devant. Amplitude d'interappui, envergure, envergure, c'est-à-dire distance, dernier pied, balle, dernier pied, balle. Regardez la frappe en avant-bras raquette, en avant-bras poignet. L'amplitude d'interappui, l'anticipation pour le retour, la remise anticipée. Voilà. Va la chercher. Va la chercher. Allez, allez. Allez, allez. Oui.
La raquette horizontale, la raquette horizontale, la raquette. Jusqu'au juste possible. Si ça dure. Il travaille techniquement. Et il travaille, on ne peut pas faire ici parce qu'il traite des trajectoires. Hein. Regardez. Là, ce sont des gammes solo, hein, de véritables gammes solo. Parce que se renvoyer la balle comme ça gentiment, ça ne sert à rien. Hein. Regardez bien. Ah ouais, c'est quoi ça? Ça, j'aime bien, moi. Il y a cinq chers, un concret. Mais c'est avec quel homme? Ça fait pas quand même. Oui, c'est ça. Ouais. En général, la mienne, je suis plein. C'est bien ce que je voulais te dire. Ah bah voilà, ça fait comme toi. Non, non, c'est pas faux. C'est travailler en avant-bras à la tête. Ça c'est atroce. Voilà. On peut tout faire avec cette gamme de l'eau. Hein. Voilà, super. Elle est difficile. Hein. Bon les gars, Colo, c'est terminé. Je ne sais pas si c'est la balle de la raquette qui Thank you.